Madame, monsieur, bonjour. Dernière ligne droite et avant-dernière émission pour Que Pasa, avant-dernier rendez-vous de la semaine avec une équipe toujours aussi motivée. Que Pasa, vous le savez, c'est une émission réalisée par les jeunes, pour les jeunes et pas uniquement. Alors tout d'abord, quelques excuses pour le retard pris pour cette émission due essentiellement à des soucis informatiques. Alors, on fait les présentations et on fait un tour de table et honneur aux demoiselles aujourd'hui. On salue tout d'abord Charline, bonjour. Bonjour Pascal. Et bienvenue. Alors Charline, tu vas nous présenter tout à l'heure un film. Quel film? Oui, donc tout à l'heure, on va parler de Sarah préfère la course, le premier long métrage de Chloé Robichaud. Bien, et on verra aussi ce que tu en penses, surtout. Oui. Alors, également à nos côtés, Lola, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Lola, tout à l'heure, tu vas nous présenter les brèves du festival, mais on va parler aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, essentiellement avec toi. Et puis, Jérémy est avec moi. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal. Jérémy qui co-anime cette émission, qu'est pas ça. Allez, tout d'abord, comme chaque jour, eh bien, on va faire le focus sur une des fonctions des étudiants. On vous l'a dit, cette émission est entièrement réalisée par des students issus notamment de l'IEX à Bruxelles et de la Haute École Libre de Bruxelles, la ELB, l'ex-INRACI qui forme notamment au métier de cadreur. On va voir quelques images d'ailleurs d'une de nos équipes lors d'un tournage hier, lors de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde. Une équipe de tournage, c'est donc un journaliste, mais aussi et surtout un cadreur et un preneur de son. C'est comme cela que ça se passe sur le terrain. Les étudiants ont en fait reçu une formation durant un peu plus de 2 ans pour la plupart. Et durant le FIF, il participe donc à un exercice grandeur nature en réalisant des reportages complets. Et on peut vous dire que ce n'est pas facile. Le métier en lui-même n'est pas facile. Mais en plus ici, il y a toutes les contraintes d'un festival où ça grouille de monde. Ce n'est vraiment pas évident. Cadreur et preneur de son, ce sont des vrais métiers. Et les étudiants le font donc pour vous, pour cette émission. Allez, on passe à présent à notre séquence actualité du FIF. Alors je dirais ambiance discothèque aujourd'hui, Jérémy. Oui, ambiance. Et vous le savez, le festival se déroule tout au long de la journée, mais aussi en soirée, voire plus pour certains. Le FIF By Night vous sera proposé dans un sujet par les étudiants qui n'ont pas hésité à rester tard en régie et en tournage pour vous proposer ce sujet. Et ce sujet, il est proposé par Audrey Lavis et Charline Halleux. On regarde. By night, top ou flop? Allez Audrey, on y va? Allez, on y va, on y va. T'es prête? On va aller voir ce qui se passe. By night. Ouais. À peine rentré, le rythme nous emporte grâce au DJ et percussions. C'est la première année que je viens. Alors une paire d'années, ou au moins 10 ans, je dirais. Au moins 10 ans. Deux pas à droite, un swing, les bras en l'air. Certains n'hésitent pas à bouger. Voici Noah et son déhanché légendaire. Je viens aussi pour le festival, pour le film, aussi pour avoir un public. Alors je monte pour la soirée aussi. Cours particulier et démonstration. Fifrim avec partage, convivialité, le tout autour d'un verre. On a une bonne équipe, donc on s'entend bien, c'est des fois positif parce qu'on rencontre des gens. Maintenant, il y a toujours des gens qui boivent un peu trop et là, ça devient difficile. Et... Fin de soirée, impossible de partir sans souvenir. Alors ce soir, c'était le FIF by Night avec Audrey et moi, Charline. Et la chose de la 1, 2, 3, 4 ans. Ouais, ambiance de nuit et Charline, malgré sa chute et malgré ses sorties un peu tardives, Charline. Faut attention. Charline est sur le plateau avec nous. Alors, on va justement rentrer maintenant dans l'ambiance d'une salle de cinéma en voyant un film. Alors, Charline, quel film as-tu été voir? Voilà, donc moi je vous parlais aujourd'hui de Sarah préfère la course. C'est le premier long métrage d'une jeune réalisatrice québécoise, Chloé Robichaud. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Sarah, une jeune fille qui est assez timide et introvertie. Elle se cherche et finalement, la seule chose dont elle est sûre, c'est qu'elle aime courir. Un jour, on va lui proposer d'intégrer la meilleure équipe universitaire d'athlétisme de Montréal. Elle va alors quitter son domicile et c'est vraiment là que tout va basculer pour elle parce qu'elle va devoir se marier pour avoir une bourse d'études et
Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce afin d'en connaître et de vraiment vous rendre compte de l'ambiance du film. Je pense à moi, c'était ça, devenir adulte. Travailler, aimer, se marier, procréer. S'il n'y avait pas la course, tu ferais quoi? Demain, c'est la dernière journée de compétition. Après ça, pour plusieurs d'entre vous, c'est terminé. Je continue pour l'instant. Toi? Juste que je vois les options avec ma mère. Qui va payer pour ça? Il faut que tu penses aux frais, le déménagement à Montréal et tout. Je te l'ai dit, j'ai besoin de partir. Avec moi. Les affaires que je contrôle pas, et les affaires que je peux contrôler. Genre ma course, ça me regarde. C'est dur de trouver autre chose qui me fait le même effet. Intimidé par les plus vieilles. Je pense juste que tu devrais parler un peu de moi à tes amis. Ouais, mais on n'est pas un coup. Pourquoi je les ressens, ces affaires-là? J'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que je dise le mot olympique. Le seul mot qui me vient en tête, c'est le mot course. Voilà. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Chloé Robichaud, la réalisatrice du film, et j'en ai profité pour lui poser 2-3 questions. Et je voulais vraiment savoir comment elle se sentait liée à son personnage principal, Sarah, et ainsi que son avis sur les différentes critiques qui jugeaient le film un peu trop mou, donc. Ses réponses en images. Sarah, ça demeure un personnage de fiction, mais il y a beaucoup de moi. En fait, je me réalise que finalement, il y a beaucoup de moi dans tous les personnages, mais plus particulièrement Sarah. Je ne sais pas si j'étais à ce point-là introvertie, mais j'ai toujours eu un côté plus réservé, très focussée sur ce que je voulais faire. Tout ce qui était la question de recherche identitaire, je peux m'identifier. Et j'imagine, en tout cas, je l'espère que plusieurs jeunes peuvent aussi s'y reconnaître, même s'ils ne sont pas introvertis ou autres. Donc, c'est vraiment un film sur le passage vers l'âge adulte, en fait, je pense. Le film a une trame quand même assez subtile. On n'est pas dans des rebondissements qu'on est habitué de voir dans ce cinéma peut-être plus hollywoodien. Mais en même temps, je voulais faire un film sur la vie quotidienne d'une jeune femme. Et donc, c'est un peu normal que le film n'ait pas, autrement dit, ces grands mouvements-là, mais qu'on soit un peu plus linéaire. Ça peut être parfois plus difficile, puis ça, je le savais, pour le spectateur, peut-être d'entrer dans l'histoire ou de soutenir son attention, mais quand même, je suis contente. Le public réagit en général comme je le voudrais. Et c'était un défi, mais je suis fière quand même de l'avoir testé. Voilà, donc je vais tout d'abord commencer par dire que j'ai vraiment apprécié le film. C'est vraiment un film vrai. On suit en fait Sarah dans son quotidien et on comprend vraiment que elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, elle n'arrive pas à gérer ses émotions et le seul moment où elle y parvient vraiment, finalement, c'est lorsqu'elle court. C'est pour cette raison que lorsqu'on lui demande ce qu'elle aime en fait dans la vie, à part la course, elle est incapable de répondre. Et alors concrètement, dans l'ambiance du film, y compris dans la bande-annonce et sur l'affiche du film, on remarque un manque de couleurs. Pourquoi ? C'est fait exprès ? Oui, je pense que c'est vraiment une volonté de la part de la réalisation. On voit, c'est vrai, sur l'affiche du film que le fond est gris. Il n'est pas blanc et le but, en fait, c'est vraiment de montrer que dans la vie, tout n'est jamais vraiment blanc ou noir. Il n'y a pas que des bons et des méchants. On pense à un moment que la maman de Sarah, en fait, est méchante, mais on comprend au fur et à mesure qu'en fait, elle fait ça pour aider sa fille. Je ne vais pas dévoiler toute l'histoire parce que j'espère vraiment que vous aurez envie d'aller voir le film. Mais voilà, c'est vraiment un film tout en nuances et subtilités. Alors concrètement aussi, concernant la musique du film, là aussi, il y a quelque chose à dire. Oui, en fait, vu que Sarah est très timide, elle ne parle pas beaucoup et donc il y a beaucoup de place pour la musique. La musique a vraiment une place fort importante parce que finalement, on ressent mieux les sentiments des acteurs lorsqu'il y a de la musique, lors des dialogues. Ça nous aide vraiment à construire, à comprendre le personnage. Et je pense d'ailleurs que la musique avait été écrite pour le film, alors que ce n'est pas du tout le cas. La musique a juste accompagné l'écriture, donc. Je pense que c'est vraiment essentiel de le dire, c'est important pour rentrer dans le sujet. Et j'aimerais bien quand même terminer par dire que l'accent québécois qu'on entend, même dans la bande-annonce, c'est vraiment
agréable à écouter. J'avais pas l'habitude de ce genre d'accent, mais ça donne vraiment un certain charme au film et au jeu des acteurs. Ouais, c'est voilà. Succulent, hein. C'est vrai que c'est agréable. Merci beaucoup, Charline. Merci. Allez, on passe à présent à la séquence Joseph et François. Vous savez, ces deux personnages de Namur Roi, également appelés séquence escargot, Jérémy. Oui, et pour cette séquence escargot, ambiance folklorique aujourd'hui. Alors, à l'occasion de la visite du couple royal hier à Namur, certaines confréries s'étaient mises sur leur 31 et avaient enfilé leurs plus beaux costumes. Et pour l'escargot du jour, c'est le conseil noble des confréries namuroises qui s'est prêté au jeu. On regarde. À l'ail, hein? Aux herbes, comment? En coquille, hein? Oui, mais... Oh là là, attention. Il y a un tir de canon. C'est François et Joseph. Ce sont deux personnages d'un dessinateur, Jean Legrand, qui, pendant des années, a édité une caricature sur le journal Vers l'Avenir avec l'actualité du jour. S'il avait été là aujourd'hui, il aurait évidemment parlé de la visite royale et signalé que le roi avait bu autre chose que du péquet, parce que lui, il ne buvait jamais que du péquet. Alors ici, on leur a fait goûter de l'élixir des Tourcyveux, un élixir qui vient d'Avlanche et qui est à base de tilleul. C'est un crime de lèse-majesté sur la terre de Namur, mais c'est la province qui recevait. Voilà. Ce qui m'inspire, c'est la lenteur des Namurois. Mais quand on est dedans, on y est pour longtemps. Même les yeux ont la forme d'escargot, vous l'avez vu? Oui, oui. Alors, est-ce que vous venez souvent à Namur? Est-ce que vous êtes venu au FIF cette année? Non, pas cette année, pas encore, mais ce n'est pas fini. Oh, ben maintenant, la journée est terminée. Nous avons préparé toute cette visite royale le matin. Maintenant, le cortège s'est terminé. Nous avons fini notre prestation pour aujourd'hui. Sous les coups de canon. C'est effectivement une séquence plutôt canon, hein. Ils sont succulents, vraiment. Allez, on va découvrir à présent une activité qui est proposée régulièrement dans le cadre du Festival du film francophone de Namur, avec la visite d'un plateau de cinéma. C'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, eh bien, le cinéma c'est toujours un peu intriguant. Et il se passe vraiment beaucoup de choses sur un plateau cinéma. On voit tout cela dans ce reportage concocté par Maëlie Bernhardt. Assister en direct au tournage d'une scène de film, voilà ce que propose une équipe d'étudiants de l'IAD, une école de cinéma, à des groupes d'élèves de secondaire. C'est dans un couloir de la gare de Namur que le plateau de tournage a été installé le temps d'une journée. Cadreurs, ingénieurs du son et comédiens reconstituent sous les yeux d'une classe une scène du film « De battre mon cœur s'est arrêté ». On retrouve un cadreur qui nous explique sa fonction. Ouais, donc là, je suis en train de manipuler la grue avec le joystick. Et donc en fait, le truc, c'est qu'il y a un assistant cam qui doit gérer le point. En même temps que moi, je fais les mouvements de caméra. Et tout ce qui est le déplacement de la grue sur les rails, ça, c'est des machinaux qui gèrent. Moi, tout ce que je fais ici, c'est le recadrage, quoi. Après avoir vu les différents techniciens en action, observer la magistrale grue et assister à un moment d'anthologie cinématographique, les enfants ont pu se mettre dans la peau d'un perchman. Il faut être souple. La démonstration n'a laissé personne indifférent parmi les professeurs et leurs élèves. Je trouvais que c'était une bonne idée de les emmener voir un plateau de tournage parce qu'un peu de culture leur fait du bien. Et ça peut leur ouvrir les yeux aussi sur les métiers qui existent autour du cinéma. Et c'est pas pour rien non plus qu'on a un festival international à Namur. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée aussi qu'ils puissent voir l'envers du décor à travers l'école. Donc c'était principalement pour ça. J'ai aimé, c'était cool. Voilà quoi, enfin, on nous a appris comment fallait faire un film, que les acteurs avaient un micro dessus de leur vêtement pour les entendre plus facilement. Ben, je savais pas qu'on faisait avec une grande caméra pour les filmer, qu'ils avaient un micro sur eux et que enfin, je croyais qu'ils s'embrassaient pour du faux moi au début. Si le bisou était du cinéma, peut-être que cette journée aura fait naître de vraies vocations.
Oui, on le voit, hein, beaucoup de métiers dans le cinéma et la télévision. Alors, il y a les métiers qui se voient et les métiers qui ne se voient pas. Et dans la catégorie qui ne se voit pas, il y a le métier de maquilleur et maquilleuse. On voit ça avec, toi, Jérémy. Alors, oui, si vous étiez avec nous hier sur le plateau, vous avez peut-être pu apercevoir Pauline. Eh bien, sachez que Pauline, c'est la maquilleuse de ce magazine Qu'est pas ça. Et puis, comme beaucoup d'étudiants en coulisses, elle travaille dans l'ombre pour s'assurer que cette mission soit une réussite. Et puis, si je parle de Pauline, c'est pour évidemment aborder le métier du jour. On s'intéresse toujours aux gens du cinéma, de la télévision et donc, je l'ai dit, du cinéma, pardon. Et donc, un métier qui fait souvent penser aux paillettes et aux stars. Mais sachez aussi qu'il y a certaines difficultés au quotidien pour ce métier de maquilleuse. C'est un sujet de Charline Halleux pour les explications. Voici Maxime au naturel et tout de suite les grandes étapes de sa transformation. Là, je vais faire un maquillage de type effets spéciaux. Donc, d'abord mettre la structure. Enfin, d'abord avoir vraiment en tête ce qu'on veut comme résultat. Ensuite, faire vraiment donc, les volumes, les formes. Et ensuite, on met la couleur, un peu comme un peintre. Et ensuite, il y a, par exemple, pour ici, je vais mettre du faux sang. C'est ça qui fera un peu tout l'effet de la luisance ou alors du mat, après c'est les finitions, quoi. Maquillage beauté pour Kaina. Il y a un petit conseil pour vous, les filles. Pour un maquillage des yeux, moi, je conseillerais, par exemple, pour ouvrir le regard, de mettre du maquillage en dessous de l'œil et pas à l'intérieur de la muqueuse, ce qui va plus ouvrir le regard, quoi. Comme sur les podiums, la compétition est omniprésente. Il faut sans cesse démarcher et trouver de petits contrats. Il y a peu de place en Belgique. Arrête, s'il te plaît, c'est insupportable. Je déteste ça. Contrairement à notre mannequin d'un jour, l'amour du métier est indispensable pour réussir. Le but de toute maquilleuse est d'en vivre et donc, tout comme notre ami Maxime, de trouver une certaine stabilité. Quel beau jeu d'acteur. Il n'a pas eu mal, en fait. Hein. C'est que du cinéma. Alors, voilà, on passe maintenant au bref du festival. Avant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Lola, je sais pas, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui ? Eh bien, un peu particulier. En fait, on a envie de vous donner une petite anecdote de la soirée d'hier où nous étions présents. D'autres aussi l'ont fait plus tard. En fait, nous avons un petit aperçu donc, de la soirée d'hier du concours Clap et pas Cap. Donc, nous pouvons voir le public et les réalisateurs étaient présents autour de différents écrans pour regarder les petits films réalisés en fait par des smartphones. Les personnes pouvaient voter comme dans des matchs d'impro avec des cartons rouges et des cartons blancs. L'ambiance était présente. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on a quand même bien ri. Non, c'est pas mal, c'est une belle initiative, non, c'est sympa. Mais moi j'aime bien ça, parce que je pense que ça fait participer justement. C'est une des périodes les plus participatives dans le FIF. Et donc voilà, c'était un petit aperçu de la soirée d'hier. Maintenant, on a évidemment parlé aussi des réseaux sociaux. Hier, on a parlé de Facebook. Aujourd'hui, je reviens sur Twitter. J'ai relevé plusieurs tweets de la journée d'hier et d'avant-hier. Allez, on voit ça ensemble, ouais. Ouais, on va voir ça. Alors, premièrement, notre ami Guillaume Gallienne, qui était présent hier au FIF pour présenter son film « Les garçons et Guillaume à table ». Guillaume a évidemment posté plusieurs tweets de sa journée et semblait content d'être là. Ensuite, la comédienne et présentatrice belge, Laurence Bibot, qui a encore fait pas mal d'humour sur la toile. Elle a cherché plusieurs significations au mot « FIF », comme on peut le lire ici. Et enfin, pour terminer, Fadila Lanane, qui a simplement tuté la soirée d'hier, la soirée Wallonie-Bruxelles, avec un petit clin d'œil à deux films présentés cette année. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On relève ça chaque jour. Merci beaucoup, Lola. Je vous en prie. Allez, on va bientôt passer à notre feuilleton. Mais avant cela, notre séquence Vidéomaton, Jérémy. Et Pascal, un Vidéomaton spécial aujourd'hui, spécial bourgmestre et professionnel du métier. Hier, lors de la visite du roi et de la reine, il y a donc des bourgmestres, des professionnels de métier qui sont venus ici. Et puis, vous allez voir, ils n'ont pas résisté au charme de notre caméra. Scénario. Tournage. Popcorn. Séance. Caméra. Acteur. Passion. Vous êtes bien sur Canal C et c'est la séquence des questions avec Mademoiselle Forest.
Ah, le plus mauvais film que vous ayez vu. Ouais. Les Schtroumpfs. Le Schtroumpf, c'était particulièrement mauvais. C'était mauvais. Les Charlots, voilà. Il était tellement mauvais que j'ai pas retenu le titre. Ah ouais, ne jamais flirter au cinéma avec David Lynch, ça marche pas. Quelle personnalité aimeriez-vous accueillir dans votre commune? François Damiens, moi. Avec Virginie Fira. On peut en avoir deux, ça compte. Ouais. Mais alors il vient de manger et tout. Il vient de manger à la alors maison. Il vient de manger et tout. En quelle année est mort? Non, je rigole. Un personnage de film que vous aimeriez jouer? Le Joker de Batman. Le personnage, je crois qu'avec ma taille, je crois que physiquement c'est important. Un rôle dans un film, je crois tout d'abord qu'il y a le faciès, il y a le physique. Napoléon. Donc moi, avec mes 2 mètres, je pense que si je devais jouer un film, je pense que je serais un grand basketman dans la plus grande équipe américaine. Si une équipe de tournage débarque dans votre commune pour un film sur la région, que faites-vous pour les aider? Moi, je peux faire du trafic de pizza. Votre réplique de préférée au cinéma? Toi d'abord. Reviens, gamin. C'est pour rire, hein? C'est pas mort. T'extasie pas sur la mer, elle a toujours été là. Moi, ma préférée, c'est... Et quoi? Tu dis pas action? C'est super. Allez, on va passer à notre feuilleton. Vous savez, on termine toujours notre émission avec un feuilleton avec Christophe et Antoine. On retrouve donc Antoine qui est comédien, comique, on ne sait pas très bien. Antoine s'est mis tout d'abord dans la peau d'un chasseur d'autographes. Hier, il prenait le rôle de garde du corps du roi et de la reine, une sorte de garde du corps des stars. Et cette fois-ci, il est carrément une star et il se la pète quand même un petit peu. Ne regardez pas cette séquence, vous n'y verrez rien de bon. Monsieur, et vous prenez souvent des stars, monsieur? Des vrais stars comme moi. Vous pourriez mettre un peu de musique, on se fait chier là. Oui, bien sûr. C'est gentil. Je vois qu'on maîtrise pas trop le véhicule, hein. Vous auriez du feu, monsieur, pour un clap. Excusez-moi, c'est interdit de fumer dans la voiture. Ouais, mais moi je peux. Moi. Les règles sont les règles, monsieur. Les règles sont les règles. Ça commence bien. Excusez-moi, mais... Je pense qu'elle... Je pense qu'elle... Attends, taisez-vous, je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Ouais. Enfin, ouais, non. Ouais, mais écoute, bon. On va me casser les couilles. VIP, VIP, on est VIP, ma petite dame. Ils sont jaloux, ces gens. On va se calmer, ouais. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, là. Vite, vite. Ouais, ouais. Très bien, super. Ouais, arrête-toi. Je reviens dans 30 secondes. Ça range pas, hein, que... C'est cool, super. Ouais, ouais, non, là, je suis dans le taxi, mais il avance pas. Ça s'appelle comment, la rivière, là? La Meuse. Ouais, ouais. C'est moche comme nom. C'est moche comme Namur. J'ai pas entendu, pardon. Je disais, comme toutes les études, il faut être passionné. Et puis, dès que la passion est là, c'est moins difficile. Donc tu peux passer à gauche, je préfère ce chemin, en fait. C'est plus sympa, c'est plus joli. Passe-moi tes lunettes, là, il y a un peu de soleil. Un truc de star. Écoutez, franchement, je ne vois plus rien, là. Oh, c'est des lunettes correctrices, monsieur. Ah, vous êtes big, le... Oh, oh, oh. Je vous ai pris votre chemise qui était dans le coffre, elle est pas mal. Klaxonne là, il y a une jolie meuf. Klaxonne là. Non, arrêtez. Ça va, faut pas le prendre comme ça non plus, hein. Voilà, c'est la fin de ces émissions, de cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus avec nous, d'avoir présenté vos rubriques. On se retrouve donc nous demain. Avant cela, je dois vous dire que Daphné Bertrand, qui est déjà prêt d'ailleurs, que je viens de voir, va vous retrouver sur Canal C à partir de 14h avec toute son équipe et toutes ses chroniques. Merci beaucoup. On va donc demain pour une dernière émission de la semaine, une émission qui s'annonce festive. Bon après-midi et à demain. Ciao.